Parmi les nouveautés proposées par IBM Connection 6, l'une des principales est la nouvelle page d'accueil appelée OrientMe. Cette page d'accueil a été totalement repensée pour vous proposer une expérience bien plus riche et conviviale. La barre des personnes importantes vous permet de suivre très facilement les mises à jour de votre réseau collaboratif. L'ajout d'une nouvelle personne à suivre parmi votre organisation se fait très simplement en quelques clics. L'intelligence cognitive d'OrientMe vous propose aussi de suivre des contacts qui sont en rapport avec vos centres d'intérêt. Cette barre vous permet aussi d'ajouter des communautés pour en faciliter le suivi et pouvoir consulter très rapidement les nouveautés relatives à cette communauté. Les dernières mises à jour sont filtrées dans un menu spécifique. De plus, il est aussi très simple de filtrer les mises à jour d'une communauté en cliquant sur l'icône de celle-ci. De même, en cliquant sur l'un de vos contacts, l'ensemble des mises à jour réalisées par ce contact apparaissent. À tout moment, il vous est aussi possible de poster une mise à jour de votre propre statut et d'y ajouter un fichier par exemple. L'ensemble de votre réseau et des personnes qui vous suivent seront avertis de cette mise à jour. Une vue spécifique vous permet de filtrer les mises à jour comportant votre nom. Une autre vue reprend l'ensemble des réponses qui ont été faites à vos contributions. Vous pouvez aussi directement ajouter un commentaire depuis ce flux d'activité et recommander une mise à jour. La prévisualisation des fichiers, une vidéo dans cet exemple, est bien entendu possible directement depuis le flux d'activité. Les différentes mises à jour concernant une seule et même entrée, un article de type blog dans cet exemple, sont superposées pour en faciliter la lecture. Ces différentes mises à jour sont aussi reprises dans le centre de notification, accessible à partir de l'ensemble des écrans de la plateforme collaborative IBM. Un clic sur l'une de ces mises à jour affiche le profil, l'article ou le fichier mis à jour.